Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. La courbe à sud du Milan est déjà en ébullition, ça promet. Le match commence. Là, c'est Milan qui cherche l'étincelle. Çalhanoğlu. Bien servi. Alejandro Gomez. Un long ballon vers l'avant. C'est une faute, l'arbitre intervient. C'est joué long et c'est intercepté. Ibrahimovic. Çalhanoğlu. La passe dans la profondeur. Oh, c'est bien fait. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Attention à ce centre. Oh, le coup de tête. Le but pour l'Atalanta. Ouverture du score pour l'Atalanta. Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. C'est bien joué ça, super timing, on le sent à l'aise sur ces ballons aériens. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus, il faut chercher à faire le break. Là c'est Milan qui essaye de construire. Il peut frapper. Oh dommage, la passe était parfaite. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Çalhanoğlu dans la profondeur. La défense est battue. Il est passé. Il porte. Quelle occasion, attention! La parade spectaculaire! Ah, ça c'est magnifique! Chapeau! Premier corner dans cette rencontre. Oh, la tête! Oh, les buts! Les buts! L'égalisation du Milan AC! Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Le jeu reprend sur un score de parité. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. Qui est le premier sur ce ballon? Et jusqu'au bout. Le but pour Milan AC. Yes! Go! Voilà la situation complètement inversée. Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. C'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Oui, ils dominent franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Çalhanoğlu. Dans la profondeur, bien vu. Allez, ça peut faire mal. Maintenant, la tête. Il peut encore frapper. Quel but! Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir et il l'a payé cash. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense! C'est le bazar! Deux buts d'avance, ça fait du bien, oui, on les imagine un peu plus sereins. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Oh, Ibrahimovic. Çalhanoğlu. Il va au duel. Il relance côté droit.
Il ne se pose pas de questions. Bilia. Il tire. Et le gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. Ça aura été animé jusqu'au bout avec cette dernière occasion. Ça méritait peut-être un meilleur sort d'ailleurs, c'est dommage. On avait une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Ils sont menés 3 buts à 1 à la pause. Il faudra vite réagir en seconde période. Vite. On parle, mais le jeu a déjà repris. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Oh, la frappe! Et le cadre se dérobe largement. Ils sont en retard au tableau d'affichage. Ils tentent, mais de façon un peu désordonnée. Laxalt. Ça joue long. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. C'est bien ce qu'ils font, cette manière de faire sortir des joueurs. Oui, il y a du mouvement. C'est intéressant pour étirer la défense adverse. C'est ça. Ils essaient visiblement de créer des espaces dans l'axe. Voyons si ça marche. Il y casse le jeu. Alejandro Gomez. Il a de l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Et un bon centre dans la surface. Bilia. Ce contre peut très bien aller au bout. Çalhanoğlu qui subit un marquage très serré. C'est normal, il a le chic pour faire des passes décisives. Il a déjà prouvé. Et il cède sous la pression. Le bon dribble. Le bon ballon. Oh, le contre, l'arme fatale. Pas assez précise cette passe. C'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il tente de la jouer dans l'espace. Gomez. Occasion manquée. La clé, c'est qu'il ne baisse pas la tête. S'il continue à se créer des occasions, ils peuvent encore revenir dans ce match. Le ballon dans la profondeur. C'est reparti, ils peuvent contrer. Oh, le petit ballon piqué. Ça passe. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Oh, la belle intervention de Caldara. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Bilia. Çalhanoğlu. La faute. Oh, le gardien est là, la classe. Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Et l'arbitre siffle la fin du match. Oh, quel scénario génial à vivre et à commenter. Ils étaient menés, ils se sont arrachés tout au long de la rencontre pour complètement renverser la vapeur. C'était